C'est parti les amis, installez-vous confortablement devant un nouvel épisode de Crime Scène Cleaner. Eh oui, Martine reprend du service. Tous les jours, un petit épisode où on récure la merde. Et ça fait plaisir comme d'habitude. Cette map-là, elle va vous parler puisque les amis, cette map, bah, c'est pas n'importe quelle map. C'est la map qu'on a fait il y a plusieurs mois de ça, c'est la map du prologue. Mais bon, on va la faire, vous savez pourquoi? Parce qu'on a amélioré comme jamais. On a amélioré comme jamais l'arbre de compétences et surtout le sac poubelle. Qui est à son niveau max. Donc cette fois-ci, on peut mettre 4 petits sacs en un. Donc ça, ça fait plaisir. On a aussi désormais une flashlight. Donc quand j'appuie sur F, quel bonheur. Enfin. Et les amis, je ne suis pas toute seule. Je suis actuellement sur Twitch. Vous pouvez les voir, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Allez, c'est parti. On y va. Je ramasse la hache et on y va. Ça va pas du tout me servir. Je déconne. Ça va absolument pas me servir. Tiens, Martine, je te la laisse. Top. Prends soin. Bon, allez. Des bisous, Martine. Y a pas des trucs à chourer là-dessus. Je me dis, c'est vrai que je me suis jamais dirigée vers ces statues à gauche, à droite, là. Oh, petite poubelle. Je me dis qu'à tout moment, il y a un truc, tu vois. Allez, la piscine. Hein. Allez, je me souviens un petit peu des choses à faire ici, sur cette map. Puisque je me souviens... Hop là, qu'on avait baissé. Alors ça, c'était un bonheur, ça. C'est parti. On baisse ça. Choup. Normalement, il y a un gars. Vous voyez, je me souviens du truc un petit peu. Quel bordel. Quel bordel. Encore un. Je crois avoir amélioré le Karcher, mais j'en suis plus sûre si je regarde. Attends, ça va donner quoi? Ah, si, le Karcher, j'ai pas déconné. Ah, si, je l'ai pas mal amélioré quand même. Hein. Oh, qu'on est pas mal. La station de lavage, c'est ce qu'il faut améliorer en prochain, je pense. Après, l'éponge, c'est pas mal. En fait, je veux tout améliorer. Dans, pour la fin du jeu, je veux tout améliorer. Je compte bien terminer le jeu. Ça, je vous le dis. Le saut aussi. Porter, avoir plusieurs sauts, c'est banger, soyons honnêtes. Avoir plusieurs sauts. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. Ça copulait. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. C'est qu'on est sur une histoire d'adultère quand même. On est sur une histoire d'adultère. C'est parti en latin. Oh bah tiens, regarde-moi ça. Ça, ça va pas partir en latte, mon petit. Hop là. N'hésitez pas hein, dans les commentaires, les amis, dans le chat, à me donner un maximum de tips. Hein, parce que je suis pas encore la reine du nettoyage. Malheureusement, hein, Martine fait ce qu'elle peut. Il y a des petits couacs des fois, mais je me donne à 10 000% pour faire le max. C'est important. Je me donne à 10 000%. Donc c'est parti, hein. On va ouvrir ça. Ah, quoique, avant d'ouvrir ça, est-ce qu'on peut réellement... Non, 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 non. On va déjà prendre le sac poubelle. Et ça y est, on va tester le nouveau système de net... Ah, ça y est, regarde. Déjà, depuis que je l'ai amélioré, alors c'est vrai qu'on est passé de sac poubelle tout nul à grosse amélioration d'un coup, le 100%. Regardez tout ce que peut... Regardez, paf. Tout ce qu'on peut prendre, hein. Tout ça, c'est pris. Normalement, on peut pas prendre tout ça, je pense. Au bout d'un moment, t'es bloqué. Regardez, là on peut prendre tout ça et vous allez voir que 4 sacs, bah pour moi c'est pas grand chose. Hop là, 4 sacs, petit sac, en fait ça va faire un seul et unique sac. Du coup on va être refait. Et donc là, allez, faut pas que je salisse. Je sors le Karcher. Oh. Ok, la pizza... Ouais, time for machin là, c'est bon. Et moi j'ai envie de tenter. Hein. Petit coup de Karcher quand même. C'est l'une de mes spécialités, le Karcher, on va pas se mentir. C'est un petit joujou que j'affectionne tout particulièrement. En plus, ça se voit à sa couleur qui fait vraiment partie de la marque Karcher. Ça, ok, ça se range. Bougez pas. Je vais vous montrer une technique. Bien à moi. Est-ce que je peux pas mettre du détergent dedans? J'aurais forcément un slot pour mettre du détergent, je pense. Et là, c'est pas le cas. Oh! Moi, je me suis gouré, c'est pour ça. Ouais. Je pense pas que je puisse refill. Non, je pense que j'ai pas amélioré. Si je regarde là, il doit y avoir un système. Je pense que j'ai pas fait. Ça doit pas être ça. Ça doit être nettoyeur haute pression. Bah si. Ah non. Canon à mousse. Alors moi, j'ai préféré augmenter la puissance de nettoyage au fil du temps. Ok, ça me va. Allez, c'est parti. Oh là là. Puis maintenant que j'ai la flashlight. Alors, en haut à droite... En haut à droite, les amis, on peut voir que j'ai une petite jauge. J'ai un système de batterie. Mais par la suite, je peux améliorer ça.
par la suite, je peux totalement l'améliorer pour que justement je n'ai plus affaire au système de batterie. Et ça, ça fait plaisir. Donc en fait, seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je joue constamment avec le bouton, comme ça elle recharge, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, c'est parti, viens par là, toi. Mais les petites parts de pizza, là, je peux pas les jeter, parce que ça fait un peu con. Oh là là, mais c'est si agréable! Regardez-moi ça. Non mais c'est agréable. Hein. On est sur du nettoyage au top du top. Hein. Hop là, là il n'y a plus rien. Ouais, tu passes un petit coup par-ci, par-là. On est vraiment pas mal. Hein. Oh là 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 là, on est refait. Un petit peu de sang par-là. Oh, vive le Karcher, les amis. Si vous commencez à jouer au jeu, moi je vous conseille le Karcher. En plus, j'ai amélioré la... l'eau. Voilà. On est pas mal, là. Hein. J'ai amélioré la capacité, en fait. Je peux pas jeter la pizza sans déconner, moi, ça me trigger. Ah, voilà. Donc, les petits bouts de pizza, je peux les jeter. Ah. Ah oui, voilà. Ce que je me disais, c'est trop bizarre. Tu laisses de la pizza, c'est quoi cette merde? Ok. Eh ben, franchement... Oh ça commence. Je viens de déverrouiller un succès qui est le suivant. Écoutez bien. Faire tomber le seau 15 fois. Ça vous parle ça? 15 fois. Putain, c'est pas possible. J'étais sûre que ça finirait par arriver, ces conneries. C'était sûr et certain. Bon. C'est pas grave, on va se démerder. Comme on peut. Tu vas voir. Tu vas voir la professionnelle. Hein. Cette map-là, les gars, j'aimerais faire mieux que mon time sur le prologue. Sur le prologue, je pense que j'ai dû la faire, ou je pense que j'ai dû la faire en une heure. J'aimerais bien m'améliorer. Il faut qu'on soit rapide. Il faut qu'on montre que ça y est, on commence à avoir de l'expérience dans le domaine. On rigole plus avec tout ça. Excuse-moi Martin, moi je nettoie même avec le cadavre. Hein. J'ai toujours fait ça, c'est ce qui est très bizarre. J'ai toujours nettoyé avec le cadavre. Genre dans Viscera. Ah quoi que... Non, dans Viscera c'est sûr je le faisais aussi. Je sais pas pourquoi je fais ça. D'abord je nettoie tout autour du cadavre et après je le prends pour finir. Ah j'ai plus rien. Et après je le prends au KLM pour le finir. Hop là, on finit en beauté avec le cadavre. Il me semble, ouais c'est ce qui me semble aussi. On termine. Allez Michel, viens par là. Regardez-moi ça. Ça se nettoie à une vitesse. Non mais j'ai chopé de la bouteille. Ce que je vous dis, c'est de l'expérience. Après j'ai vieilli. Hein. Je crois que la vidéo sur Viscera, la première vidéo date d'il y a quoi? D'il y a 6-7 ans. Bref, j'étais plus jeune quoi. J'avais la vingtaine. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. La vingtaine. Eh, on est pas mal hein, quand même. Hop là, ça pousse-toi. Ouais, il nous en reste encore un peu, suffisamment pour finir. Ah! Que se passe-t-il? C'est bon, j'ai entendu le petit son. Waouh! Vous pouvez pas me dire que c'est pas beau ce que j'ai fait comme travail là. C'est magnifique. Ah mais là c'est sublime ce que j'ai fait. Bon, il y a ok. Ok, il y a Michel dans le fond, ok, ok. Mais, regardez, pendant que je recharge, je remets la piscine. Bougez pas. Bon, je sors Michel parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Je le sors. Hein. Un grand moment. Franchement, on a 5 corps à jarter. Se débarrasser des sacs poubelles, on en a un. Trouver un moyen d'entrer dans la villa. Oh là. Oh là, mais attendez, il veut pas rentrer. Allez, schlack. Ça c'est mon problème, j'ai un peu de mal avec les lancers. Et là, on remet la piscine. Ni vu ni connu. Bougez pas, vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Je remets la piscine. Hein. Ça y est, c'est parti. Regardez ça. Putain, mais c'est super propre. Je suis fière de moi. Eh, le petit ballon. Touc. Je suis fière de moi.
Je vais pas remettre les cages et tout, après ça ils se démerdent, ça c'était pas mon problème en soi. La chaise, la chaise, oh la chaise elle va aller là-bas. À tous les coups. Oh la petite bouée, je l'envoie avec. Hein. Allez Martine, prends ton envoi. Ah non, moi je suis toquée. Ah non Martine. Martine! Ah oh, non. J'ai des tocs. J'ai des tocs, il faut pas que ce soit à l'envers les trucs comme ça. C'est pas... J'sais pas... Ah oui, ça marche bien ça. Attends. C'est pas de la superstition quoi que ce soit, c'est juste des tocs de j'aime bien quand c'est voilà, quand c'est à l'endroit. Hop là. Ah oh, Martine, elle s'est envolée là, je peux te dire Spider-Man. Hein. Alors, là-bas, il y a quoi? Il y a des petits trucs à nettoyer Non, même pas. Bouge pas, ça c'est à nettoyer ça. La petite chaise. Hop là. Eh hey, mais franchement, c'est vrai que quand on casse pas tout, c'est quand même vachement plus agréable, je suis en train de me dire. Parlant de Martine. Non mais... C'est vrai que c'est vachement plus agréable. Ok. Je me rappelle que derrière, il y avait un truc. Il y avait un truc pas net net, voilà. Incognito mode. Hein. Hop là, voilà. On me paye pour mon silence. Ok, donc toute cette zone-là, elle est nickel. Donc là, ce que je vais faire... Hop là. Je vais ramener le sac aussi, tiens. Voilà. Da-da. Oh là là. Nice and clean. Ah, petite cassette. Je sais pas si après je peux les écouter. Est-ce que c'est juste de la musique ou... Je sais pas. Ok. Je mets ça. Et là, je fous du détergent puissant. Voilà. On est pas mal là. Parce qu'en soi, ici, tout est super propre. Après, je dis pas... Hein. Voilà, il y a peut-être des trucs à chourer ou quoi. Ok. Du PQ, du PQ, du PQ. Ah, c'est... ah bah tiens. Je me dis, c'est sûr qu'il y a des trucs par-ci, par-là à chourer, hein, mais bon. Est-ce qu'on est comme ça ici? Est-ce qu'on est des voleurs? Est-ce qu'on est des voleurs dans un jeu comme ça? Ah non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous soyons des voleurs. On n'a jamais volé des trucs à gauche, à droite. These doors won't open themselves. Non, on n'a jamais volé. Vous vous trompez de personne, je pense. Je pense que vous trompez vraiment de personne. Alors, hop. Oh, je me demande même. Oh, sac poubelle même. Ouais. Oh, ça là va tomber. Ouais, sac poubelle même tout de suite. Parce que là, toutes ces merdes là, si je passe un coup de Karcher, ça va voler dans tous les sens. Hein, je te le dis, Michel. Regardez. Pac. Ça, je le sens pas. Attack by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Ouais, ça va commencer à péter des trucs. Ok. On n'est pas trop mal là. Il y a encore d'autres trucs à récupérer, j'en doute pas. Voilà. Ah, j'ai cru que c'était un truc à ranger. J'ai cru. Hein. Ok. Bon. On va commencer à passer des coups d'éponge par-ci, par-là, par-ci, par-là. Coup d'éponge ou mon accessoire préféré? Hein? Ouais, ouais, ouais. Hein. Allez, ça y est. Pac! Ah, les cassettes peuvent être écoutées dans le codex. Merci beaucoup. Oh! Musique, peut-être? Est-ce que c'est pas ça? C'est ça? Oui, ça, c'est les musiques, ok. Ah, mais attends, est-ce que c'est les musiques que je trouve, ça? Ah ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, quand même, hein. Avec le codex, on en avait un peu rien à foutre. Allez, je sors mon accessoire préféré.
mais attends, mais j'ai laissé tout ça. Oh mince. Regardez. Paf, mutation, et là je peux encore faire un sac. Mais ça va tellement me faire gagner du temps, les gars. Ok. Ah, c'est fait, on entend le petit son. Débarrassez-vous des déchets. Tu vas voir maintenant, mon petit pote. Il est où, mon Karcher? Mon accessoire préféré. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Oh, ça... J'ai tendance à me dire que l'éponge, c'est mieux. Ok. Et hop là, trop satisfaisant. Beaucoup trop satisfaisant, je suis désolée. Petite éponge là, moi j'aime bien la petite éponge. L'éponge sur les tapis, vraiment au top du top. Hein. Et encore, j'ai pas mis de détergent dessus. J'aurais dû. Hop là. Petit coup de Karcher. Non mais c'est magique. Si seulement c'était comme ça dans la vraie vie, tu te rends compte. Chérie, il faut nettoyer aujourd'hui, hein. Il y a ménage. Oh, et bah c'est bon, je vais passer un coup de Karcher. Ouais, ouais. Et puis vite fait. Oui, bon bah c'est bon. Je pense... Ouais, je l'ai dit. J'allais dire, je pense qu'il va tomber en panne. Aujourd'hui, coup de Karcher. Incroyable, tu te rends compte. Plus besoin de faire les poussières, plus besoin de rien. Coup de Karcher, c'est fait. Ça te clean le tout. Oh là, non mais même pour là, hein. Regardez ça. C'est pas satisfaisant. Est-ce qu'il manque un endroit? Ah ouais. Peut-être la sortir le... Petit coup d'éponge. Et voilà. Ni vu ni connu. Ah. Ah. J'aurais cru. Je me suis dit que ça allait être ici. Par contre, je vais passer un coup là-dedans. Voilà. Hop là. Bon. Petit coup. Là. Satisfaisant là. Hop là. Hop là. Ah, il manque un tiroir. Il a foutu le gambou. Ah là, c'est bon. Oh! On n'est pas des voleurs. Hein. Non, non, non. Alors. Mais ça, je vais le mettre dans... là-dedans. Hein. Voilà. Comme ça, mon éponge, elle est abîmée. Oh là! Imbibé, mot difficile à dire qu'il ira apparemment. On a du mal avec imbibé. Deux produits bien surpuissants. Voilà, ça dégage tout ça. C'est parfait. C'est de toute beauté. Ah non, c'est pas ces chaises-ci. Ah ah. C'est pas ça. Ok. Je passe un petit coup. Eh, il y a un petit coup de Karcher qui va repartir, moi je vous le dis. On balaye, il va déjà se redégueulasser. Bon, après, j'ai 3 balais en tout. Ah, ça y est. Non, mais le Karcher, je trouve qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant. Je peux pas vous l'expliquer. Cleaning comes before fixing. Non, mais je vais passer un petit coup de Karcher. Eh. Pas pour longtemps, vous savez. Hein. Regardez. Là. En plus, c'est sur du carrelage. Ça part tout seul sur le carrelage. Hein. Ça... C'est nickel. Hein. Hop là. Merde. Non mais franchement, on va battre le record. Pas du tout, je vais faire ça en une heure, je le sens. Hein. Oh, ça va faire ça en une heure, je le sens.
Hop, je ramène ça là. En fait, le Karcher, tu vois que voilà, il y a certaines finitions qui n'ont pas été faites, quoi. Ah. Ok. Ouais, le Karcher, bon, il y a deux, trois détails. Hop, voilà, c'est bon. Là, va falloir la jouer douce. Oh là! C'est là qu'on va voir si j'ai pris de la bouteille ou pas. On va voir. L'éponge, quand même, serait moins dangereuse. Hein. On va pas se mentir. Allez, on le tente, on le tente. Putain! Je le savais, mais c'est pas de ma faute, là. Là, c'est pas de ma faute, je suis désolée. Vous allez dire, c'est de la mauvaise foi, c'est pas de ma faute. Le réticule n'est pas au bon endroit. Non, c'est le réticule, c'est pas moi. C'est le réticule. Je le savais que ça allait mal se dégoupiller, cette affaire, je le savais. Oh là 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 là. Je savais depuis le début que ça allait mal finir, cette affaire de merde. Oh bah là j'ose même plus hein. Bah il faut faire là. Allez et là faut pas faire. Là on prend pas de risque, on y va à l'éponge. Ah ouais là. Il faut pas prendre. Écoutez moi il faut pas prendre de risque là. Voilà on vient de péter un verre Voilà donc, non, là non. Bah mais non en fait hein. Super. Nickel. Pardon Martine. Hop. Ah. Petite trace. Voilà. Hop. J'imagine que l'autre c'est là où il y a Martine. Ça c'était là-dessus non? Oh là 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 là. Ça commence à prendre forme. Hein. T'enlèves Martine et tu te rends compte de rien du tout. Excusez-moi Martine. Je prends le téléphone. Bon, je le prendrai après. Vous m'en voulez pas? Pas de problème. Je remets le verre droit quand même. Hop. On fait style de rien. These, yeah, probably not. J'arrive. Je suis en train de boire un coup. Et du coup, l'éponge ne peut pas casser les verres. D'où l'intérêt d'utiliser l'éponge. Ça fait 40 épisodes qu'on te le dit, mais... Ouais, je tente le diable là quand même. Clac. Eh voilà, d'où l'intérêt, on est sur la finesse quoi. On est sur de la finesse, encore de la finesse. En parlant de finesse, je vais ramasser Martine. Martine, vous m'accorderez cette danse? Ah, mais non. Ah. Gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Elle pouvait pas quitter son mari sans déconner avant de faire ça? Le cocufier là. Vous pouvez pas le quitter, Martine. Ok. Bon. Heureusement que t'as pas des malus pour la vaisselle que tu pètes. Hein. Parce que là, je suis une... je suis une experte. Hein. Dans la vaisselle pétée, waouh. C'est mon dada, là. Oh, putain, je reviens pas. Ah, c'est mon truc, la vaisselle pétée. Y a pas de doute. Alors. Ah, une autre preuve. On le prend. Elle a essayé d'appeler. Oh ah oui, il y avait écrit 911. Elle a essayé d'appeler, mais forcément, pas trop eu le temps, quoi. Cet endroit, on va le faire après. On peut faire ici. Ah, ici, dans le prologue, il y avait un mec. Alors, dans mes souvenirs, il y avait un mec. Hein. Au clair de la lune. Oula. Il est plein. Alors, cette chaise-là, elle va là-bas. Mais pas du... Mais j'ai aucun sens. Non, voilà. D'où le problème, en fait. J'ai inversé les chaises. Ça va là et cette chaise... Oh, il y a une tache. Cette chaise-ci, ok. Elle va là. Et là, par contre, il y a problème. Tac, voilà, c'est fait. Là, c'est propre. On s'occupe pas de cet endroit. Mais attends, est-ce que cette chaise, à tout hasard, elle irait pas autour de cette table? Eh ben voilà.
Ah bah il y en a d'autres même des chaises. Il y en a une là-bas, une ici, ok. Un petit coup d'éponge celle-là et puis c'est fait. Voilà. Ouais, on va s'occuper de toute l'étage inférieur dans un premier temps. Et on verra pour la suite. Allez, un petit coup de serpillage comme ça. Allez, hop. Voilà. Je vais utiliser mon appareil préféré, qui n'est pas là. Parce que celui-là, c'est le meilleur. J'ai déjà parlé du Karcher. C'est vraiment incroyable. Oh mais regardez, c'est parti en 2 secondes. Bête d'aquarium. Hein. Y'a pas de sang? Non, c'est bon. Ok. Bon, ça c'est fait. Oh! Pas des voleurs, hein. Attention. Ah, c'est ce que je me disais. Ce truc-là. Il était là. Ok. D'accord. J'ai pas accès à cet endroit. Pour le moment. Tu vas voir après. Tu vas voir. Is that the surveillance room? Ah. On a des preuves. This téléphone. Didn't age well. Bianca, il sait pour nous. Prends soin de toi, mon cher. J'espère être avec toi bientôt. Ah bah là... Là, je vais effacer l'épreuve. C'est parti. Hacking manuel. Alors, 6702. Oh, merde. C'est bon, là. Donc là, on supprime les vidéosurveillance. Pour qu'il n'y ait aucune preuve. Qu'on puisse pas remonter justement. Hop. Voilà sur le gars. Alors. On peut fouiller les commodes. On peut fouiller des petits... Oh oh. Oh la vache. Ça a des pépettes hein. Bon déjà quand tu vois la baraque. Tu te dis bon. Ça a pas dû coûter 2,50€. C'est quoi ça, des bougies? Je crois que c'était une dague au début. Ok. Oh moi je fouille tout hein. Ok. So much for healthy living. Que vais-je faire pour améliorer ma vie? Maintenir un régime alimentaire sain. Enfin, je me suis dit pareil avant de bouffer Burger King. J'aurais près d'au moins 15 livres pour me sentir bien dans mon corps. Faire de l'exercice à la maison ou dans mon club de sport. Au moins 4 fois par semaine. Il y a moins de décès. J'ai aussi été mystine il n'y a pas si longtemps. Non, vrai. Me concentrer sur la thérapie. Il est temps de vraiment guérir. Les antidépresseurs seuls ne suffiront pas. Maintenant, je le sais. N'oubliez pas que le temps passé en famille est vraiment important. J'ai 2 super beaux enfants et un mari incroyable. Il me donne beaucoup de force tous les jours. Et on se sert. Vu le travail de merde qu'on fait, on a le droit. Hop. Ça, ça sent le double fond. Où je m'y connais pas. Ça sent le double fond. Non mais c'est sans... Oh. Non mais 100%, il va y avoir un truc, il y a des easter eggs, 100% là. Oh mais 100%, il y a des easter eggs, il y a des trucs, vous foutez pas de ma gueule. On n'est pas bête. Déjà, je sais qu'il y avait un truc dans le sous-sol de sûr. Micro-ondes, un livre. Microwave Magic, livre de cuisine. Mais what? À quel moment t'as un truc comme ça Ok, je ne vais pas juger. Oh là, je vérifie là. Je vérifie avant de partir en bas. Je vérifie un coup. Voilà, pour que ce soit tout propre. On descend. Jesus, that one was torture. Oh la vache. Oh le coup de marteau. Ça, je pense que c'est le mec qui devait tromper la... Ouais.
Oula, il y a arnaque. Ok. Bon, preuve. Perceuse. Bougez pas, monsieur, hein, j'arrive tout de suite. Oh là là, ça en fait des preuves. Sous-sol, emplacement nettoyé, tu crois? Je me souviens qu'ici, il y avait un truc. Ah, je m'en souviens bien même. Putain, sacré paquet de pognon. Alors, si jamais vous êtes en mode, ça ressemble à du vol. Absolument pas, je compte les Elias, parce qu'en fait, ça fait partie de mon métier aussi. Ça fait partie de mon métier aussi. Vous ne le saviez pas, hein. Haha. Et pourtant, compter les billets, bah, c'est important. C'est mon métier de remettre les choses à leur place et de remettre tout dans l'ordre. Bah là, il faut que je remette tout dans l'ordre, les billets. Parce que vous savez, c'est la merde. Les billets de 5 mélangés avec les billets de 10 et tout, c'est la merde. Donc, je... Voilà. Ici, pas de vol. Jamais. Oh, le high mark. C'est pas glauque du tout, tu sais. Oh, bonjour Martine. Ils aimaient bien les flamants roses. Hein. Eh, il nous reste plus que l'étage et c'est fait. Compter les billets pour savoir combien tu as volé. Non, pas du tout. C'est juste compter les billets. Mais vous, vous croyez pas à chaque fois. Et genre, il y a toujours un truc de bienveillance chez moi, mais vous en avez rien à foutre. C'est quand même terrifiant. Vous ne croyez pas? Avec le métier que je fais, hein. Quand même. Alors, on y va. Alors. Petit coup sur le tapis. Pourquoi vous mettez tous ces smiley MDR? Je sais pas ce qui s'est passé. Hop là, voilà. Petit coup de polish là. Joyful nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Petit coup de balai. Voilà. Petit coup de balai au propre. Pas mal là quand même. Et il me reste plus tant de pièces que ça à nettoyer, hein. Pourquoi chaque fois je fais plein de clics alors qu'un clic suffit amplement? Homme 18 carats est là, bitch please. Ouais, quoi de neuf ma belle? Je flippe là. Pourquoi? Je pense que papa a une liaison. Je l'ai entendu parler à une femme au téléphone. Ce n'était pas maman, je suis sûre. Tu ne deviens pas folle, fille, c'était probablement rien. C'est trop bizarre la façon dont il se textote là. Je peux pas zoomer? Ouais, girl. Don't know, ouais, girl. Ouais, ok. Je ne sais pas, peut-être que t'as raison, peut-être que je délire. Sûr. Trop bizarre comment il se parle. Oh là là, c'est satisfaisant, regardez tout ça. Hop, ça dégage. C'est fait. Bon, allez, on s'occupe d'abord de cette pièce. Ah bah tiens. Zone interdite. Bah là, ça va être compliqué, hein. Il va falloir qu'on y aille, hein, Michel, hein. Oh là là là. La pièce du streamer. La salle du streaming. Oh là là. Un joueur compulsif. Ça va, hein, on respecte un peu les gamers ici. Merde. Hein. Ah, j'ai pas l'autre lampe. Merde. Bon, bah, on va se la jouer comme as.
Alors. Ok. Oh, ça va se nettoyer très vite, ça. Oh là là. Oh merde. Ah, bon, il pourra plus bouger de toute façon, mais quand même. You dead. Ah, il était sur... Ah, bah ça peut être plein de jeux, mais... La police d'écriture et tout, ça ressemble quand même vachement à... Comment il s'appelle ce jeu, là, le Die and Retry. J'y joue pas parce que je vais tout péter à ce truc-là. Oh, j'ai plus de nom. Là, c'est vous qui allez m'aider, hein, je sais plus comment. Ouais, Elden Ring ou l'autre, là. Comment ça s'appelle, le plus classique Elden Ring? Dark Souls, merci. Oh putain, le lait. Oh là là. Oh, il aimait le lait, le mec, hein. Faut pas être intolérant au lactose, là, avec lui, hein. Oh là là. Du lait, du lait, du lait, du lait. Tu aimes le lait? Ah oui, j'adore ça. Waouh. Ok. Eh ben. Ouais, c'est super propre. Ouais, peut-être une tâche là, quoi, mais... Ah. Peut-être parce qu'il y a le mec, ça impacte, hein. Something is blocking the way. Ouais, mais parce que je pense qu'il y a le mec, c'est pour ça que ça fout la merde. Je pense. Allez, on va jeter ça déjà, les briquettes, là. Oh, ça fait du bien de pouvoir tout balancer, là. Ok. Poubelle. Oh. Yeah, it literally killed him. Gamers, brace yourselves. Ça a littéralement tué les joueurs. Première impression sur Retro Junk 1777. Ainsi pour le gouvernement. Putain. N'importe quoi. Ah, les petits Karchers là. Je prends le Karcher là. Hop. Ah, c'est dans l'autre sens. Alors, est-ce que j'ai encore assez? Ouais, je suis à sec. Hein. On va prendre la petite éponge. Petite éponge, et encore, j'ai pas mis de produit dessus. Moi, j'ai l'impression que si tu fais certains endroits, voilà, ça t'enlève un paquet, en fait. C'est pas mal, hein. Eh, on est pas mal du tout. Je vais enlever juste Michel, là. Allez, tu viens avec moi. On descend. On est pas mal, là, quand même. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Encore un travail de qualité. Travail exceptionnel, fait de mon côté. Et ça, on va rien me dire. Voilà. Je suis pas assez remerciée pour ce que je fais. Nettoyer de du sang tout le temps. L'odeur, puis l'odeur. L'odeur. Quand même, hein. Tout le temps les mains sales et tout, j'ai les gants qui percent au bout d'un moment parce que forcément, à force de nettoyer... Ah, bah lui, il est pas prêt de monter de... Ah. C'est bon? Voilà. On y va. Ah, l'odeur, ça doit être dégueulasse. Puis le nombre de mecs qui pètent, hein, avant le dernier souffle. Ça pète dans tous les sens, ça se fait dessus, c'est... Pop, 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 pop. Putain, c'est une aventure à vivre, moi, je vous le dis. Petite salle de bain, peut-être. Ah, let's go. Petite salle de bain. Où est mon... Ah, mais non. C'est bon. Schlack. Ah, voilà. Ah non, mais c'est un truc. Je vais mettre ça. Voilà. Oh! Clé! Clé de la buanderie! Ok. Bah moi je dis pas non. Je dis pas non aux clés de la buanderie. Bon, est-ce qu'on peut ranger ça y est tout ce micmac là? Ah, je remets le PQ. Voilà. La décoration d'intérieur est ma passion. Mais c'est satisfaisant la déco d'intérieur. On rigole. Mais il y a un côté très satisfaisant, hein. Regardez-moi ça, j'ai mis ça en... Hein? Là. Ah.
Il manque des trucs. Déjà la chaise. Paf. Tu retournes à ta place, ma grande. Hein. Voilà. J'ai oublié une trace. Là. Clac. Ok. Ah bah là. Ah mais là je vais tout pousser. Ah non, ça va. Petite trace. Je crois que c'est bon. Je ramasse. Bon, les placards, je regarde. Mais du lait, mais c'est quoi? Mais c'est une réfaction. Non mais le cliché des mecs qui jouent aux jeux vidéo. Putain, et que des connards qui boivent des boissons sucrées. Vraiment, c'est se foutre de la gueule des gens. Les gamers, ils savent pas prendre autre chose que des boissons sucrées et des... Ils se foutent de ma gueule. C'est quand même grave. Nous aussi, on peut manger Elsie, hein. C'est la vérité. Nous aussi, hein. Flûte. Oh. Bah dis donc, moi, j'ai pas de balcon, hein. Chez moi, j'ai pas de balcon, et puis... Ça ressemble pas à ça quand je regarde à ma fenêtre, hein. Waouh. Ok. Je remets la petite bouteille, regardez. Hop, le petit RP. Pourquoi tout le monde rigole? Qu'est-ce que j'ai fait? Que des gars qui boivent des boissons sucrées. Que des gens qui... De la malbouffe, des boissons sucrées. C'est quoi ça là-haut? Attends... Oh! Encore un petit canard! Non mais... Oh! Oh, il est trop mignon! Ah non, je le mets là. Petit canard avec un petit casque! Oh non, mais il est choupi, je peux pas le ramener avec moi, lui. Oh, il est vraiment trop mimes. Ah, va falloir péter la porte. C'est vrai que j'ai pas de hache. Là, c'est des coups et des coups dans la porte qui vont partir. Hein. Pas! Pas! Pow! Et attention, une porte partie! Personne n'était prêt, hein, ça. Ok. Un sac ici. Oh là là. Je crois que c'est la dernière pièce. Ok. Oh, la hache. Je peux pas la ramasser comme ça, je la garde de manière définitive. Pas de clé. Une hache fera l'affaire. Ah bah, Shining, hein. On y est là. C'était sûr que c'était la Dr. Horse toujours avec nous. C'est impressionnant. Ça bouge pas. Allez hop, on va utiliser un appareil que j'aime bien utiliser. La meuf à chaque fois c'est le même. On va utiliser le truc, un truc que j'aime bien. Je vais vous faire découvrir le Karcher. Dans les commentaires là, dans le chat, je veux savoir. Un Karcher, ça consomme de fou. Mais ça doit consommer de fou un Karcher. Parce que là, il utilise le petit Karcher au KLM. Je peux te dire que ça doit consommer, mon grand. Enfin, tu me diras, ouais, enfin, il utilise le Karcher, mais bon. Quand tu vois de qui il utilise le Karcher, les mecs, de toute façon, ils sont plus là pour payer la facture, hein, donc bon. Il en a rien à foutre, hein. Ouais, alors le tapis, un peu chiant. Le tapis, je le sens. Mon Karcher, il est pas... aussi efficace que je le souhaiterais sur le... Ah, quoique. Quoique. J'ai l'impression que je consomme plus d'eau. Putain, alors que sur les murs, c'est magique, hein. Ah non, j'ai entendu un bruit que j'aime pas. Ah ouais, j'ai entendu un son à la con. Non, mais je vais utiliser ça, hein. Ça sera très bien. Je vais ramener le seau pendant ce temps-là. Très bien. Non, là, je vais tout faire tomber, je le sens. It won't move like this. Oui, parce que je suis devant, ça va. Pac. C'est beau. Voilà. Alors attendez, hein. I can't put it back like that. I can't.
C'est vite dit, hein. C'est j'ai pété un vase, c'est les dramas. Le PC, il faut faire très attention. Ouais, là, je vois, là, je le sens. Là, je le sens, il y a quelque chose qui est pas... Oh là là, les coussins et tout, ouais. Il y a un truc qui est pas fou, là. Bon, de toute façon, ça s'est pété, ça ira pas plus loin. Keep calm. Allez hop. Des petits mouvements circulaires sur le tapis. Non, ça consomme trop. Ouais, non, mais je bouffe masse sur le tapis. Hein. Ça bouffe beaucoup trop, je pense. Mais je le fais quand même. Oh, j'ai envie, mais je vais pas le faire. J'étais sûre que ça allait tomber en rade. Donc c'est pas grave, on panique pas. Déjà, petit coup d'éponge. Ok. Oh là là. Que vois-je? Ok. Normalement, ici, il y a des endroits dégueulasses encore. Ah ouais. Un peu partout par là. Hein. Ok, ça c'est fait. Kikou là, voilà. Eh, ni vu ni connu. De toute façon, les vases, c'est moche. Si c'est pour pas qu'il y ait de plantes à l'intérieur, c'est moche comme tout. Donc ça sert à rien. Lulu suicide. Mais moi je vais écouter tous ces trucs là. Est-ce que c'est des musiques ou est-ce que vraiment ça me... Je ne sais pas, ça me perturbe. Voilà. Là, se débarrasser des sacs poubelles, ok. Remettez les meubles à leur place. Oui, bon, bon, bon. Ça arrive. Hein. Ça doit être... Ok, là. Oh là, oh là, oh là. Oh putain. Alors c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui m'a pris? Ça y est, ça veut plus travailler. Comment ça se passe là? Oh, comment j'ai pu faire tout ça? Laisser autant de merde là au mètre carré? Non mais alors je suis pas fière de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas. On travaille comme ça maintenant ici, comme des cochons là? Oh! C'est quoi ces conneries là? Tu me remets tout ça à la place, hein, et fils ça. Hein. Hop là. Ok, ça, ça... Paf, essuyez tout le sang. Bon, j'imagine que ça doit être là-bas. Martine, j'arrive. Ah. Oh, j'avais pas souvenir qu'elle me dégueulassait tout comme ça, celle-là. C'est toi qui vas nettoyer? Ah bah non, c'est pas toi qui nettoie, hein. Là tu dors, hein. Tu trouves ton moment pour tomber et tous nous faire chier? J'avais tout fini. Oh bah tiens, pour la peine, c'est bon, j'en ai marre. J'en fais assez dans cette baraque. Ça me dégoûte. Mais non, mais merde! Oh, puis là, allez, en veux-tu, en voilà. Putain, j'avais tout nettoyé. J'étais bien là. J'avais tout. J'avais tout. Ouais, là, c'est grand sac. Ok, bon, vas-y, je vais jeter ça au moins. Oh, le dégoût. L'autre, elle tombe comme ça. C'est sûr que c'est pas elle qui va nettoyer. Elle en a rien à foutre. Hein. Nettoyer la merde des autres, c'est pas son problème. Bah ouais, c'est le mien. C'est ma vie. Vis ma vie. Allez, maintenant, faut tout laver. Putain. Oh là, oh, puis elle a... Oh, zone à risque, vous savez quoi? Oh, je vais pas prendre de risque, tu vas voir, va. Oh, je vais pas prendre de risque, il y a trop de verre. Il y a beaucoup trop de verre à proximité que j'ai pas envie de casser. Parce que je sais ce qui va se passer. Éponge sale. Seau vide, plaît-il. Ok. Je vois. Pendant ce temps-là.
Hop. Schlack. Tout ce que je peux choper. Oh, il y a des patates qui vont partir là. Ouais. Ça va partir en petites patates dans la gueule. Tac. Ah ! Mais même passer un petit coup de balai comme ça, ça. Et voilà. Et voilà. Ouais, mais si je pète là le truc, j'ai mis une patate dedans, ça va faire quoi ? On essaye. Il faut que j'achète une hache. Hein. La hache, ça va en 2 secondes, je pense. Hein. C'est vrai que j'ai chopé une clé. Merci de me le rappeler. J'aurais été que sur YouTube, là, c'est 100%. Je l'aurais oublié, la clé. Hein. Ah, j'aurais oublié la clé. Allez, patate de forain ! Ok. C'est fait. Ah, apparemment, c'est pas suffisant pour certains trucs. Ah, c'est pas suffisant, hein. J'ai pété des trucs, j'en reviens pas. Oh, oh, le maxi sac. Les verres, moi, je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit avec eux. Il est hors de question qu'ils soient cassés, ces verres. Oh. Voilà. Une coupette. On va le péter, hein. Ah ouais, en fait, j'ai pas besoin de charger 3 coups. Oh, c'est bon, en fait. Pas du tout besoin de charger. Ah yes, trop bien. Petit coup de balai. Voilà. Voilà, je récupère Martine en soi. Se débarrasser des sacs. Donc là, on a un sac à jeter. On a un corps à jeter. Donc finalement, c'est le corps que j'ai là. Le sac. Et par contre, j'ai une clé. Cette clé, il faut que je l'utilise. Les cassettes, tu peux les écouter quand tu vas au menu avec le codex. Tout ça, tu as musique en haut, troisième. Ah, mais du coup, c'est des musiques. Paf. Ok. Prenez des photos à piscine. Non, non, la photo, ça sera après. Ah non, 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 la photo, ça sera après. Écoutez-moi bien. Ça va se passer à ma manière, mon petit. J'ai déjà toutes ces merdes à jeter, là. Je vois rien. Ah ouais, par contre... Oh là. Oh là. Ah bah ouais, non, mais attends. Non, mais alors ça, c'est pas ça. Compliqué de passer, hein. J'ai cru qu'il allait plus passer le sac et que c'était mort. Et hop là. Ok. Donc ça c'est fait. Prenez des photos de la piscine, c'est après. Donc j'ai eu la clé. J'ai chopé une clé. Donc, est-ce que ça ouvre ici? Clé de la buanderie. Ah mais je l'avais déjà fait ça. Je me rappelle. Ça c'est que de la poussière à nettoyer, c'est ça? Ouais, ça c'est que de la poussière à nettoyer. Ouais, que des trucs pas fous, hein. Ouais, c'était pas non plus incroyable. Est-ce que j'ai autre chose à fouiller? Mais moi, je me dis, cette pièce-là, tu vas pas me faire croire qu'elle s'ouvre pas. J'ai envie de mettre une patate. Tu peux pas me faire croire que cette pièce, elle s'ouvre pas. C'est pas possible. C'est la porte d'entrée. Ah ouais? Ah c'est possible, ça ressemble quand même vachement à l'arrière de la baraque, j'avoue. Bon, je vais prendre le sac, le seau. Oula, c'est bon. Tout va bien. R pour interagir. Cheese! C'est bon? Je pense que échappe, il veut une autre photo à un autre endroit. Ah non, c'est peut-être le même point de vue, c'est même... Bah, échappe en fait. Je peux pas sortir. Ah, dans la piscine, j'avais pas vu. Ton sur ton, moi j'ai du mal. Hein. Prenez des photos du sous-sol. Ah ouais, donc là, on en est là. On met mon travail en question. On met mon boulot en question, là. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais là, vous foutez de ma gueule, j'espère. Prenez des photos du premier étage. Mais c'est quoi ces conneries là? Des années d'expérience moi monsieur hein. Des années à bosser là, vous foutez de ma gueule?
Là, je me sens très déçue. Hein. Non, mais alors là... Oh, je suis déçue. Eh ben, quittez la scène de crime lorsque vous êtes prêt. Bah, je pense que je suis prête, là. C'est bon, on se casse, hein. J'avoue, ça soit à moins que c'est des photos pour vendre la maison. Je pense pas que je puisse aller le côté où il y a la voiture de luxe. Je vais quand même... non, je pense pas. En combien de temps j'ai fait ça? Allez. Combien de temps? 56 minutes. J'ai battu mon record. J'ai battu mon record, mais... C'était long quand même, hein. C'était long quand même. Mamie met sa veste. Merci Kevin pour l'abonnement et merci Shop aussi pour ton 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oh là là. T'as oublié le sous-sol. Non, j'ai tout bien fait. Score parfait. Ah là, on va voir. Là, c'est le moment. Normalement, je me suis fait de la pépétasse là. Non, mais attends, 16 000 balles. Incroyable. Allez, dis-moi que j'ai tous les secrets. On a les musiques. Oh! Il y a un secret raté. Oh! Un secret raté. Oh, les emmerdes. Va te coucher, ok. Le secret raté. Oh! Mon grand, ça va? Dexter. Dexter. Non mais c'est pas le moment de se promener, le pauvre. Il t'a attendu toute la journée, tu peux bien bouger ton cul quand même. Oh. Mais en fait c'est ce qui me semblait. Toutes les maps que je fais, elles se mettent ici. Il y a toujours un petit truc, regardez le chat démoniaque. La tête de cerf, c'était l'épisode 3 qui est sorti sur la chaîne YouTube. Là, ça c'était la pizza. C'est ce qui me semblait en fait, hein. Allez, je vais aller au dodo. Ah, oh, c'est fou, hein. Allez, hop. Babe, we're almost done. Are you ready? Petit appartement? Not yet. Something's wrong. Have you tried turning it on and off? Yes, try for yourself. Oh, that's strange. C'est quoi? C'est un truc qui marche pas? Oula, ils veulent essayer quoi? Oh les matous! Vous êtes trop beaux! Oh! Ça tape? Tapage donc à le voisin qui pète un câble, trop de bruit! Moi il y avait des chats, ça m'allait hein! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on fait un peu de... Ok. On a mis une étagère. Oh! Alors, apparemment, on n'est pas bricoleur. C'est-à-dire que si tu perces pas... Alors ça, c'est vrai que si je puis me permettre, si tu fais pas de trous dans les murs, ça peut pas coller. Enfin, ça peut pas marcher. Parce qu'en fait, oui, sur le dessus, je vois. Ouais, mais en fait, là, bah ouais, ouais, je vois comment t'as fait, Michel. Mais en fait, là, faut percer. Tac, tu mets des chevilles. Et là, ça passe. Parce que alors là, je sais pas comment t'as essayé de faire... Bah ouais, là, ça va être... Oh, Dexter! Ah, c'est-à-dire, ouais, voilà, c'est compliqué, là. Ah, là, c'est compliqué, ce qui s'y passe. Hein. Bah oui. Alors, c'est... 11 points. 11 points, maître. Non, mais attends. J'ai augmenté la capacité du réservoir. Et je réaugmente la capacité du réservoir. Et là, je remets pour porter le réservoir dans le dos. Ok, au top du top. Au top du top. On en reparlera. On est Gucci, comme on dit. Et ça, c'est... Ah ouais, la hache. Oh, la hache, vas-y, je le fais. Je fais la hache et les pas. La hache, elle est bien. Et les pas prudents, après avoir marché sur une tâche, vous laisserez moins d'empreintes. Et après, à la fin, c'est plus d'empreintes du tout.